Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Hey, on pleure et on pleure et on pleure et on pleure toujours en bonheur. La famille est beaucoup plus petite et nous sommes toujours dans l'ancienne maison parce que vous allez voir, vous avez sûrement vu que pour la prochaine maison des Ugly, je fais. Il y a eu quand même pas mal de propositions, ça me fait vachement plaisir. Et pour pas louper, et pour pas faire trop vite ni rien, et pour pas louper les visites, je fais une vidéo par jour avec deux visites de maison. Pour l'instant, il y en a que deux, je sais pas encore si il y en aura par trois, par vidéo, et puis je vais pouvoir faire mon choix après tout ça. Donc je me laisse cette semaine, les deux épisodes de la semaine, pour me décider. Et normalement, la semaine prochaine, vous aurez la nouvelle maison. J'espère, hein. On va dire ça parce que ça va être complicado, je le sens, je le sais. Il y a déjà des très belles réalisations. Donc, à voir. Non mais on en parle que j'avais complètement qu'il était là, lui. Complètement oublié qu'il était là, lui. Si en plus j'oublie des mots, j'oublie le mot oubli, on va rien comprendre à ce que je raconte. Eh ben, salut beau gosse. Hein? Dès que notre utérus est vide, ben on t'appelle. Truc horrible. J'avais complètement oublié qu'il était dans la maison, quoi. Tout va bien. On a notre petite Carla, toujours bien enceinte de son premier enfant, qui passe au troisième trimestre en 5 heures. Donc, ce sera dans le prochain épisode qu'on aura la naissance. Et là, on va aussi, encore une fois, chercher des papas potentiels. On a déjà eu. On a un petit peu flirté avec Mathieu Chevalier. Darion. C'est un ado. Joey, lui, il est pris. C'est dommage. C'est dommage. Chris est un ado. Milton Clark est un adulte, mais je sais pas s'il va me plaire. Simon Masson, lui, il est vraiment PG aussi. Il y a Wayne Coral. On n'en sait pas trop sur lui. Et puis après, ça reste de la familia, il me semble. Ah, on a Louis. Ah, Louis est devenu jeune adulte. Le fameux Louis de NS. Donc peut-être qu'on va pouvoir faire des bébés avec lui. Lui, il est devenu jeune adulte aussi. Diego, il te voit comme ça, il me plaît pas. Après ça, c'est les cousins et les oncles, donc ok. On a déjà fait le tour. Il y a Laurent aussi. Laurent, non, je crois qu'il était pas terrible non plus. Et puis bah Robert, on a déjà fait avec lui, tout va bien, c'est parti. On va voir si ça donne un bon résultat. Peut-être qu'on remettra ça plus tard, mais. En durée de vie rapide, les enfants grandissent très très rapidement et après il y a un très gros écart entre le premier et le dernier. Donc c'est un peu chiant, c'est qu'au niveau de la grossesse, c'est toujours 3 jours. Ils auraient dû vraiment mettre sur 2 jours. Ça aurait gagné du temps. Mais Harold est décédé. Il y a trop de gens qui meurent. Gabriel, Heidi, tout ça. Mère adorée. Et père. Ah non, père ami. Mais mère adorée. C'est sympa. Ludwig, il est en retard pour l'école. Oh! Mais dis donc. Singild de Teignas. En tout cas, toi, t'as des personnes sympathiques, hein. Tu peux appeler lui. On va faire sa connaissance aussi rapidement, histoire de. Ah, je dis ça, c'est pour ta sœur, hein. C'est pas forcément pour toi, mais pour que ta sœur puisse se reproduire tranquillement. Oh, Harold. Oui, madame, oui. Oh là là, mais tu pues, Carla. Il va falloir qu'elle t'aille à la douche. C'est pas comme ça que tu vas tirer des mâles, hein, franchement. J'allais dire, il n'y a aucune des deux qui va bien. C'est l'angoisse. Partager la grande nouvelle. Ah oui, au fait, vous êtes toutes les deux enceintes! C'est un cadeau, non, encore. Mais vous êtes toutes les deux. Oh, ça, pardon. Et Lydie n'a pas tardé à aller au boulot. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, parce qu'elle est en sang chaud. Oui, elle commence à 14h. C'est vrai que tu emménages avec ton futur copain, enfin ton copain, quoi, avec Genji. Comme ça, tu nous débarrasseras le plancher. Qu'est-ce qu'il a?
Enfin, minimum. Ah, elle va gerber. Nettoie. Tu me nettoies ça? Tu déconnes ou quoi, là-haut? Ça va bien. Toi, Harold. Non. Alors, tu vas appeler un des mecs, Simon. Tu vas appeler Simon. Tu vas appeler Wayne. Voilà, un petit blond. Après, le beau mec un peu typé et cheveux noirs, on va appeler à des blonds et on va essayer de se les mettre dans notre lit pour pouvoir prévoir déjà les prochains papas. Comme ça va direct dans le pieu. Moi, je vous le dis, il n'y a pas meilleur moyen. Oh là là! On en parle que j'aime pas du tout cette nuit d'hiver. Au moins, il est pareil, hein. Mais oh là là! Ah, et lui il a mangé dans du caca! Ah! Il y a même la trace et tout, énorme! Alors c'est pas du caca qui vient de chez nous? Ok, il d'accord. Mais parler tous ensemble? Demander conseil. Allez! J'aime bien Wayne, c'est très cow-boy. Hein? J'aime bien, il fait très cow-boy. La journée. Se renseigner sur l'auteur favori. C'est vrai que pendant ce temps-là, elle travaille pas, mais il est où l'autre? Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, tu vas ratisser, d'accord. Toi, tu viens chez nous pour ratisser, t'as raison. Vas-y, mais viens, gars! Oh, mais c'est pas possible, il bouge dans tous les sens, ces Sims. Bah, lui, on peut pas voir grand-chose, hein. Ludwig est de retour. Très bien. Faire un bonhomme de neige. Non, tu vas appeler SOS Tristesse, là, parce que vous me cassez les pieds avec vos trucs. Et après, tu feras tes devoirs. Comme un bon petit jeune homme. Oups! Bah. Ses copains, oui, j'avais zappé. Alors, fais voir quoi, comment t'es. Si t'es beau gosse ou pas. Là, il y a un miroir de ce côté. Mais j'en ai marre. Ouais! Ça va! T'as pas une tête à t'appeler Paolo, mais ouais! Pourquoi t'es triste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont tous? Flatté. Bah, illumine la journée, oui, enfin, on va parler un peu de tout. Amical, complimenter la tenue. Toi, on va discuter des centres d'intérêt. Toi, on va faire connaissance. Non, mais j'allais dire quoi? Ne drague pas devant les autres, ça va pas passer. Hein. Toi, tu vas lui parler de cuisine. Ah, le bide qu'elle a! Mais t'en as combien là-dedans? Moi, je sais que quand il y a un gros bide, ça veut dire un seul. Hein. Après, c'est la doudoune, je pense, qui doit faire l'effet aussi, comme ça. Ah, il adore la nature, Wayne. Regardez-moi tous ces potentiels, papa. Tous ces gènes. Magnifique. Se renseigner sur la carrière. Oh, il est gourmand. Discuter des valeurs de propriété. Ah, Wayne, il est. Cabinet. Médical, ça fait mal. Super, d'accord. J'ai bugué en fait. J'ai dit, mais je lis bien ou quoi? Conversation. Non, mais lui, c'est pas possible, sa tenue, quoi. On voit rien. Ça gâche tout le plaisir des yeux, quoi. C'est dommage. Bon, Wayne. Regardez Wayne qui bouge son corps. Wayne, tu es un peu le cow-boy de Brindleton Bay. C'est très compliqué à dire, hein. Hein? Je suis pas la seule, hein. Apprendre à danser. Non, il est enjôleur en plus, hein. Il adore la nature. Ah, il est médecin. Oh là là. Et en plus, offrir un cadeau à la maison. Ouais. Mais elle est triste, elle. Elle est chiante aussi, un peu. Amical. Tu peux. Il a pas l'air de kiffer. Je sais pas. Discuter sans intérêt. Bon, si, ça monte.
On va pas parler de bébé. Faut pas qu'il pense que qu'on est là que pour son, pour ses gènes. Même pas pour le sexe, non. Juste pour les gènes. Ah, se pisser dessus. Oh, chut. Non, 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 allez, va prendre une douche. Ah non, mais franchement, la honte internationale devant tout le monde, quoi. Ah là 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 là. Hop, Chouk. Toi, si tu veux, tu pourras essuyer frénétiquement. Ah bah si, Wayne, ça le dérange pas, lui, qu'elle ait ses pissés dessus, donc. tu vas faire une conversation profonde avec lui. Tu vas partager des photos avec lui. Et lui, il va partir, c'est ça? Et tu vas. Conversation profonde avec lui. C'est déjà pas mal. Allez, on oublie ce petit incident. Tout va bien. Wayne, reviens. Il est encore parti ratisser de la neige ou quoi? Oh là là, non. Mais ils ont tous bien faire des baskets là. T'es pas tatoué, mais. Je te. Hein? Mais reviens! Reviens, Wayne! Ah oui, le séducteur. Tu vas demander de passer du temps ensemble. Je pense que Wayne sera notre petit prochain. Ouais. On va changer, on va faire un petit P, un blond, un petit P, un blond. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Hein? Tu sauras plus où donner de la tête tellement il y aura de mecs aux alentours, ma petite Carla. Elle est énorme, elle va exploser cette fille. Exploser. Bon, on va demander aux deux autres de partir. Et on va demander à Wayne de rester un peu. On va sûrement pas lui demander de partir. Comme ça, on va pouvoir le draguer tranquillement, sans qu'il y ait de problème. On va le draguer parce que de toute façon, il est chaud là. Regardez ça, il est très enjôleur, donc ça marche. Donner des paroles d'encouragement. Là, elle est crevée, donc il va vite falloir aller au lit avec monsieur pour. Pour conclure la vente. Le conclure le don de sperme pour procréer pour la prochaine. Non, il est très 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 joyeux, le petit Wayne. Voilà, amour. Complimenter l'apparence. Ah, il en peut plus, hein, il est à fond, hein. Il est à fond. Yalouf! Allez, va lui embrasser les mains, ma petite. Tu vas tomber par terre, mais là, il faut qu'on avance un peu quand même. Mouah. Et lui, il est content. Mon petit Ludwig, tu peux aller faire, s'il te plaît, la vaisselle. Ne participe pas à cet épanchement de sexualité entre Steams. Oui, échange amoureux. Premier baiser. Regardez-moi ça. Ça va être la pro du dragage, la petite. Alors, on va voir les deux profils. Non, elle va tomber dans les pommes, j'hallucine. Mais non. Invite à rester dormir. Oh là 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 là. Viens ici, toi. Tu vas te présenter amicalement à Wayne. Histoire qu'il se barre pas tout de suite parce qu'on a besoin de lui. Et discuter de son intérêt vite fait. Lui, il n'a rien fait. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fout par terre, la demoiselle? Allez. C'est bon, tu peux lui demander de rester dormir. Comme ça, il va rester. Et on est tranquille, on est sauvé pour aujourd'hui. Prends une pause sexy. Oh, elle est revenue de l'école. Dormir ici, génial. Oh, c'est bon. On est bien, donc. Offrir une rose. On l'a embrassée?
Bah non, pas encore. Voilà, je sais plus, moi. Ça vient de se passer, hein, mais c'est pas grave. Je suis complètement dans les choux. Offrir une rose. Comme ça, vous allez vous lever et puis ça va passer à aux choses supérieures. Du moins, j'espère. Ouais, il en peut plus, il en peut plus, il en peut plus draguer. C'est vrai qu'en fait, j'ai oublié quelque chose. C'est que j'aurais voulu faire avoir un petit ami ou une petite amie. Donc en fait, on va demander à Wayne d'être notre petite amie. Et puis, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Draguer. Non, de toute façon, il va pas partir. Hein. Ça, c'est sûr. Car là, je pense que c'est très bien parti vu qu'il est en train de dormir dans ton lit. Donc, il faut que vraiment là, tu mettes le grappin dessus. Tu le réveilles. Je sais ta faim. Je sais ta faim. Oh, la belle bête! Non, 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 non. Black Salas, oui, Drac Salas, non. Oui, premier baiser. Allez, hop. Faut y aller, la cocotte. Arrête, il fait pas glacial dans la maison. Ça se saurait s'il faisait moins 15 dans les maisons, quoi. Bon, allez. Allez, devant le berceau. Voilà, c'est très drôle, on a bien rigolé. Allez, on passe aux choses sérieuses là quand même un peu. Voilà! Enfin quelque chose, petite amie. Dis, tu veux bien être mon mec? Oh oui. Il y en a une qui est en train de hurler de l'autre côté. Ok. Chib. Embrasser. Et crac crac. Voilà! Ça, c'est une bonne chose de faite. Regardez-moi comment elle est énorme. Oh, ma petite Carla. Tu es énorme, tu sais. Et bientôt, 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 on aura un petit bébé. Et avec un petit frère tisse. Oh, elle va retomber dans les pommes. Elle se fout de moi! Mais il est chaud comme la braise, il a dit oui tout! Oh là là, non, tu vas faire crac-crac avec Wayne, dépêche-toi. Non, mais c'est galère, hein, quand elles sont enceintes, tu n'aides plus la route, hein. Non! Wayne, reviens! Wayne, reviens! Allez, c'est pas grave. Elle va venir lui demander de faire un crac-crac ici. Allez, vas-y! Tu vas pouvoir aller te reposer après ça, ma belle, tu l'auras bien mérité. Attention, première partie de jambes en l'air, la deuxième partie de jambes en l'air. Mais Wayne sera donc notre second géniteur. Et c'est parfait comme ça. Je me suis pas du tout occupée des autres, donc Litvin, bah écoute, c'est super, tu peux faire le ménage et tu iras te coucher. Bah oui, mais t'es en petite tenue comme ça, là, le ventre à l'air, alors qu'il fait froid. Donc franchement, lui, il est bien dans son lit, tout va bien. Et la petite Carla, elle s'amuse avec Wayne. C'est parfait. J'attends qu'il finisse leur petite affaire et puis moi je vais vous quitter pour cet épisode en tout cas. Avec le prochain épisode, avec la naissance du premier enfant de Carla. Et voilà. On est bien. On est bien. Alors moi c'est comme là-dessus que je vais donc vous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Ça me fait hyper plaisir, vous savez. Et rendez-vous au prochain épisode pour savoir donc quel sexe sera le premier petit bébé de Carla. Allez, je vous embrasse. Salut.